travers. Bernard, il est tout à travers. Tu parles, on va avoir de la tension. Bon, explique Greg alors. C'est quoi le mouvement? Alors là, le mouvement, c'est une machine qui va mimer le mouvement de ce qu'ils font. Tu n'as jamais fait de ski de fond? Si. L'objectif, comme en ski de fond, on plante le bâton, on pousse, on se redresse. Donc là, on va faire fonctionner le buste, les abdos, les bras, les jambes. Et... Sur le retour, on va venir créer l'extension de hanche, d'accord? Donc, c'est un mouvement qui est global, qui nous permet de faire travailler le cardio aussi. Et donc là, pour le Téléthon, on a proposé un fil rouge à nos adhérents et aux gens qui ne sont pas forcément adhérents. Tout le monde est le bienvenu. Donc l'objectif, c'est de faire tourner les skiers pendant 24 heures non-stop. D'accord, et ça démarre ce soir à 18h. Ça démarre ce soir à 18h et pendant 24 heures non-stop, donc on est là toute la nuit. Donc on a des gens qui sont inscrits à 3h du matin, 4h du matin, et l'objectif c'est de récolter un maximum de dons qui sont entièrement reversés pour le Téléthon. Super. Nous, notre objectif dans le CrossFit, c'est de s'occuper de la santé des gens, d'amener un maximum de santé aux gens et par le Téléthon, en reversant les fonds, on aidera la recherche justement pour les gens qui en ont besoin et tout ce qu'on peut faire pour la santé des gens, on le fait. Magnifique. Et, voilà. Et tu prends encore des inscriptions? Oui, bien sûr. On est ouvert au maximum de gens. Donc plus il y aura de gens qui viendront pratiquer, plus il y aura de gens en bonne santé. Donc voilà, on a une belle capacité d'accueil, donc on n'est encore pas au taquet de ce qu'on peut faire au niveau du nombre d'inscrits. Donc d'accord. Bien sûr qu'il y a de la place encore pour beaucoup de monde. Parfait, bravo Greg. Merci. Bon week-end. Bon week-end.